Là, en bleu, avec le plâtre énorme, c'est moi, Victor. Ce film, c'est mon histoire. Pourtant, c'était bien parti. Les vacances, le Mexique, la mer, l'hôtel, la plage, les copains. Et aussi les conneries, hein. Surtout les conneries. Voir ton cul, là. Le roi de la pelle, c'est mon frère Julien. La meuf sous son chapeau ridicule. Bonjour. C'est ma sœur Clémentine. Les éléphants, ça pouvait avoir 3 orgasmes de suite, toi. Et à côté de la copine de ma mère, c'est ma mère. Il y a même des capotes pour éléphants, c'est dingue, non? Jusque-là, ça allait. Puis les pères sont arrivés avec des valises pleines d'emmerdes. Non, c'est lui des Julien. On rentre. Tu risques d'attraper des puces avec ce clochard. Ah bah c'est ça, rappelle ton plaid, donc je fourre ma main au cul, je m'en fais une moufle. C'est lui. Lui, là? Si c'est Jean-Louis, qu'est-ce que je fais? C'est qui, ce Jean-Louis? C'est le père des Clémentines. Je veux retrouver mon père, vous comprenez? Parce qu'il doit arriver. Je passe des vacances de rêve grâce à vous. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Le père de Clémentine, c'est ton père. Attends que j'ai un fils, je me ferai moincher pour Noël. Puis Julien, c'est le fils du mari de la marraine de Margot. T'es pas en train de me raconter des conneries, toi? Moi qui croyais que ça allait être facile. Je suis tombée de haut, hein. Attention ! De très, très, très haut. Bon, allez, faut que je pose les pieds. Les temps est beau, l'hôtel est génial. Les enfants sont en bonne santé. Ce qui est génial avec ma mère, c'est qu'elle panique jamais. Putain, c'est la merde. Enfin, sauf là.